Oui, bientôt, c'est le Brody Weekend. Festival de films de genre que vous attendez tous, et on y sera. Ben, vu qu'on a 13 heures de route pour y aller, 15 si on se perd. 15 heures de route à deux dans la même voiture d'affilée. On va pas s'ennuyer, on va jouer, chanter et rigoler. Ça va être long. Donc tout ça pour vous dire que qu'on sera au Bloody Weekend. Que on espère vous y voir. Même si on a conscience qu'on ne va pas tous vous y voir. Il y a parce distance. Que ça serait beau. Mais que c'est la distance, que c'est les gens qui les travaillent, que c'est les gens qui ont des enfants, que c'est beaucoup de choses. C'est une vieille maman, un éléphant, enfin je sais pas, vous avez des tas de raisons de rester chez vous. Mais donc, nous, en tout cas, on y sera, on espère vous voir nombreux. Comme nous, qu'est-ce qu'on y sera là-bas? Nous, on va faire des trucs, mais on sait pas quoi encore. Ah. On va vous permettre de prendre des photos avec nous, de faire des dédicaces, de... Le melon, ici, the melon. Non, je plaisante. On va pouvoir, on va pouvoir profiter de passer un bon week-end avec vous, un bon moment selon le temps que vous avez pris, évidemment, au Bloody. Ouais, enfin, moi, tout ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, on allait vous en faire des petits crucs. Alors, des crucs de Puskas ou des crucs de la vidéo, des crucs de photos. Une compilation. Ouais, on va vous expliquer ça plus tard parce qu'on ne sait pas encore. Donc ça va être très très sympa, on va vous faire forcément un retour, mais on va essayer d'en profiter plus que la dernière fois, pas qu'on n'ait pas profité, mais le concept de vidéo qu'on a fait nous a pas permis pleinement de... Ah moi j'ai bien profité, je m'en fous, c'était pas dedans alors. Voilà, en plus c'est moi qui ai dégusté parce que comme toujours... Ah il y en a foutre, moi c'était il y a 3 ans, moi je suis dans la chaîne depuis 2 ans. Et donc, au passage, oui, bientôt 2 ans en juin. Et c'est surtout qu'on espère que le Covid ne va pas refrapper, parce que le Covid nous a pourri déjà 2 ans d'affilée. Et c'est dur pour nous, et c'est dur, tout dur pour ceux du Bloody, c'est dur pour Loïc, qu'on espère évidemment revoir. Notre cher mais Loïc. Mais c'est parce que, en fait, tu vas nous porter malheur avec tes conneries, et tu vas fermer ta gueule, hein. D'accord. Quelle violence. Non, mais ça va, ouais. Donc, évidemment, on va, si pour ceux qui ne connaissent pas le Bloody, on espère vous voir, c'était à Audincourt, près de Montbéliard. Pas juste à côté quand vous habitez à Cherbourg. C'est en dessous de Sochaux. Voilà. Et du coup, ça se passe tous les ans, donc en mois de mai. Donc là, ça va être le 21 donc, et 22. C'est là que j'interviens et que je vous dis, je vous mettrai le lien en description pour vous inscrire, pour voir ça qu'est-ce que c'est, pour voir ça qu'est-ce qui c'est qui ira, et les invités, et les affiches, et enfin tout. Voilà. Oui, parce que le principe, c'est qu'il va y avoir des invités de marque, on va dire, donc en lien avec le cinéma oui. De genre, oui. Non pas que d'horreur, mais de genre alors, en général. Cette année est un Bloody qui reprend après Covid ça. Et qui va reprendre un tout petit peu différent du Bloody habituel, voilà. Parce qu'il n'y aura pas de concours entre des courts-métrages. Voilà, pardon, je suis en train d'essayer de trouver mes mots. Un hippieur parce que je faisais partie du jury pour une fois. Donc hippieur parce qu'il n'y aura pas, donc du coup, il ne sera pas jury. Et puis ben, la prochaine fois qu'il aura un jury, et il sera trop vieux. Voilà, donc ça c'est donc rajeunissez-moi. Et donc voilà, donc c'est un bloody hein, comme d'habitude, il y aura des exposants, il y aura des animations, plein de choses, il y aura de la vie, de l'amour et de l'horreur, des projections, du des cosplay, enfin bref, vous allez voir ça, vous allez même pouvoir certainement voir sur le site du Bloody Weekend les précédentes
éditions qui vous montreront le festival dans sa plus belle globalité. C'est beau, on parle bien là. Vache. Ouais. Et donc, évidemment, le principal pour nous, c'est avant tout de revoir les gens, de s'imprégner de cette atmosphère, de cet univers, de chialer en arrivant de bonne heure, de chialer de tristesse en partant, et de revoir tous nos amis qu'on connaît déjà. De découvrir aussi, de découvrir des gens. Et de découvrir des personnes. Parce qu'on ne se connaît pas, on se rencontre, comme beaucoup dans ce genre de festival. On est en famille, donc les liens se créent assez facilement. On les maintient ensuite, après, donc on sera content de revoir des gens qu'on avait rencontrés au festival en 2019. Mmh. Et puis aussi, on va rencontrer des gens avec lesquels on échange, mais qu'on n'a pas encore vus. Des amis youtubeurs, tubeuses. Donc on a un format... Voilà. Ou d'autres, tout simplement, ou des abonnés, ou des passionnés des amis de cinéma. Facebook, des gens avec qui on discute. Et qu'on aimerait pouvoir discuter visuellement. Voilà. Ouais. Donc, voilà tout ça. On vous fera donc ces retours. Alors, pas pendant le Bloody, parce que le Bloody dure deux jours et qu'on veut en profiter au maximum. Ah là, mais on vous fera un retour, bien sûr, en rentrant. Et on vous mettra ce qu'on a vu, ce qu'on a fait. Ce qu'on a vécu, les litres de larmes qu'on a ramenés dans les bocaux. Voilà, les photos d'os, enfin tout. Tout. Et bien sûr, de quoi on va revoir beaucoup de nos amis, dont certains sont confirmés. Comme l'ami Az, l'ami de Mie. Qui est invité officiellement. En invité spécial. En invité, le premier invité youtubeur du Bloody, je pense. On va avoir l'ami Domi. Domi Raoult, c'est Sisto. Voilà, de toute façon, parce que si tu viens pas, on vient te chercher de force. Oui, aussi. Voilà. Et puis, on vous montrera aussi, bien sûr, alors, le lien que je vais vous donner. Vous allez pouvoir aller voir la liste des invités qui seront présents pendant le Bloody. Il y a du beau monde. Et tout ça. Enfin, je pense qu'on a tout dit. Ah, voilà. Donc, on espère... Confirmez-nous les commentaires si vous venez ou pas. Comme ça, on va faire notre liste. Alors, au pire, on aura la surprise. Et si vous venez, que vous ne l'avez pas dit, que vous ne le saviez pas et que vous vous retrouvez là-bas quand même parce que vous avez été enlevé, j'étais dans un coffre et on vous a dit « Ah, bloody surprise !» Je me fais des scénars à côté. Voilà. Venez nous voir, en fait. Avec plaisir. De toute façon, nous, on est là pour profiter de découvrir des gens, découvrir des choses. Oui. Donc voilà, c'est pas de souci. Vous allez nous reconnaître. Ou pas. Peut-être pas de façon accoutumée, alors. On sera pas habillé comme d'habitude, mais on sera reconnaissable quand même. Ça, moi, j'ai prévu de m'habiller en bébé géant et libellule en... Je vais te mettre un panneau. Nous sommes les oubliés. Ne nous oubliez pas. Enfin, bref. Ça va être bonheur. On va partir voir les temps de la mer. On va partir au Bloody. Se faire des nouveaux amis. Il y a beaucoup de routes. Que ce soit Libellule ou Goldy. On va trouver des gens perdus. Ça va être On va aller au Bloody. Pour voir.